Oui, Geneviève. Je sais pas, elle était là il y a un instant. Geneviève. Geneviève, il y a 10 minutes que je te cherche. Où étais-tu? Là. Tu n'as pas un autre sourire? Pourquoi il ne te plaît pas? Je te trouve un peu triste. Oh, mais non, c'est une idée. Mets ta tête sur mes genoux. Pourquoi m'aimes-tu? Pourquoi? Ah non, j'aime mieux ne pas savoir. Comme tu veux. Tu sais, j'étais un enfant qui n'ouvrait pas ses montres et ne cassait pas ses jouets pour voir ce qu'il y avait dedans. Et je trouvais plus beau de ne pas comprendre. Eh bien, je n'ai pas changé. On ne peut pas toujours fermer les yeux. Encore ce sourire. Geneviève, que se passe-t-il? Je sais bien. Quoi? Qu'est-ce que je sais? Écoute, Geneviève. Je vais partir. Tu es folle. J'ai trop de remords. Et toi aussi. Écoute, Geneviève. Pourquoi a-t-il fallu que tu me parles? Pourquoi m'as-tu dit un jour que tu m'aimais? Oh, mais chérie, je... Nous étions si heureux. Étions? J'aimais tes silences plus éloquents que des mots d'amour. J'avais de toi tout ce que je pouvais en avoir. Et au moins, je ne tremblais pas pour ta vie. C'est ça. Maurice. C'est ça, surtout. Oui. Nous vivons à la merci d'une dénonciation. C'est de la folie. Si on me trouve chez toi, tu es perdu. Tais-toi. Oui. Il n'y a que ça à faire. Sacrifie-moi tes remords. Je me charge des miens. Reste le danger. J'ai un passeport en blanc. Quoi? Oui, passons en Angleterre. Dans 3 jours, nous serons en sécurité. Nous n'avons pas le droit. Seul, libre, heureux. Maurice. Si Lorraine veut me prêter sa voiture, nous pouvons partir ce soir. Maurice. Lorrain, qu'est-ce qu'il y a? Viens, je vais te parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Un instant, vous allez le savoir. Ça y est, nous partons. Quoi? Oui, il me reste 2 heures pour repasser mon anglais. Maurice! Shirts. One pair of... pants. C'est voilà! C'est voilà, vous êtes sorti? Gown. C'est voilà. Tenez, prenez ça.
Comment m'avez-vous retrouvé? Avec peine. C'est ridicule, j'ai pas pensé tout de suite que vous étiez ici. Je pars ce soir. Seule, naturellement. Vous avez dû bien souffrir de vivre sous le toit d'un républicain. Royaliste comme vous l'êtes. À propos, comment va-t-il ce cher Maurice? Bien. Ou moi? Ne me demandez pas comment je vais. Ça ne vous intéresse pas de savoir ce que j'ai fait pendant que Maurice... allait bien? Si, si, qu'avez-vous fait? Délicieux. L'appartement aussi est délicieux. Moi, en revanche... Que voulez-vous? Je viens vous chercher. Quoi? Tout de suite? Bien sûr. Mais pourquoi? On ne peut plus rien pour la reine. Qu'en savez-vous? Elle est à la conciergerie. Et vous, ici, ça ne vous choque pas? Mais on ne sort pas de la conciergerie. Votre frère a toute la police à ses trousses. Votre mari vit dans l'ordure. Votre bienfaitrice n'a pas 15 jours devant elle. Tout ce que vous trouvez à dire quand on vient vous chercher, c'est quoi tout de suite? Excusez-moi. Les excuses, on verra plus tard. Allez, venez. Mais pourquoi venir? Dites-moi ce que je dois faire, je vous donne ma parole que je le ferai. Vous osez me parler de votre parole? À moi? Ici, chez votre amant? Ce n'est pas tout à fait ma faute. Ah non, c'est la mienne. En partie, oui. C'est vous qui m'avez poussé dans ses bras. Ah, c'est l'hypocrisie, je vous en prie. Je vous ai fourni tout au plus un prétexte. Mais je vais vous dire, c'est ce que je trouve de plus immonde dans votre conduite. Alors voilà ce que c'est pour vous, la révolution. Une toile de fond pour vos amours. Mais qu'est-ce que c'est que ces fruits? Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Quand tous les gens de votre parti sont en pleine détresse. Vous êtes injuste. D'ailleurs, je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous. Laissez-moi 8 jours. Rien. Mais comment voulez-vous que je fasse? Il m'aime. Et après? J'ai bien le droit d'avoir un peu pitié de lui. Venez. Je ne peux pas. Vous refusez de me suivre? Eh bien oui, je refuse. Vous êtes trop dur à la fin. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire de me laisser, je ne sais pas moi, 3 jours? Non. Le temps de le préparer. 3 jours. Et dans 3 jours, ce sera encore 3 jours. Et de délai en délai, vous irez ainsi jusqu'au bout. Eh bien, croyez ce que vous voudrez. Mais je ne partirai pas comme ça subitement. Je ne peux pas. Rien ne peut m'obliger à lui faire tant de mal. Très bien. En somme, je ne serais venu que pour vous aider à faire votre mal. Bah, après tout, pourquoi pas? Voyons un peu. Qu'est-ce que vous emportez? Votre robe bleue? Vous avez raison, il peut faire froid. Des chemises, c'est bien naturel. Des bonnets de dentelle, des gants. Vous avez pensé à tout? Vous avez pensé à tout? Sauf que cela ressemble furieusement à un départ pour l'émigration. Quelle tête feriez-vous tous les deux si quelqu'un vous dénonçait? Quoi, vous feriez ça? Déjà fait. Quoi? Si je ne l'arrête pas dans un quart d'heure, une lettre sera portée à la police. Mais ça... Dans un quart d'heure! Vous n'emmènerez qu'une morte. Mais ça me va tout à fait. Vous vouliez me tuer? Qui? Moi? Non. C'est une mort beaucoup plus intéressante que je vous propose. Laquelle? Dans un quart d'heure. Excusez-moi. Si vous voulez sauver la tête de Maurice... Je viens. Pas la peine de rien emporter. Là où nous allons, c'est inutile. Je n'emporte rien. Je laisse tout. Geneviève!
Elle est partie. Elle ne reviendra plus. C'est son mari qui est venu la chercher. Enfin, je le suppose. J'étais sorti pour acheter de la ficelle et j'ai rencontré... Non, je veux dire, j'ai vu le concierge. Il n'y a aucun doute, c'est Dixmer. Donc, crois-moi, Maurice, ça vaut beaucoup mieux ainsi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne remettrai plus les pieds ici. C'est voilà, si elle revient, enferme-la. Et tue tous ceux qui tenteront de s'approcher d'elle. Attache la foulard à la fenêtre. Je saurai ce que ça veut dire. Maurice! Et où vas-tu? La chercher. Mais où? Quand? Comment? Non, Lorrain, cette affaire ne regarde que moi. Oui, alors toi tout seul, tu n'y arriveras jamais. Non, tu as toujours été contre Geneviève. C'est toi qui as raison. Quand on aime, il faut aller jusqu'au bout. Allez, laisse-moi y aller avec toi. Et puis je ne suis pas fâché de voir ce qu'il y a au bout d'une histoire d'amour. Hein? Hey. Je suis bien chez le citoyen Lindet. Oui. Dis donc, mon gros, t'as pas un petit oiseau du nom de Dixmer? Non. Tu es sûr? Ben, naturellement. C'est curieux. On a une dénonciation. Regarde! À qui sont ces robes? Hé, hey, tu dors? Non. Alors parle, à qui sont ces robes? À l'ami de mon maître. Elle a l'air drôlement bien en chair, l'ami de ton maître. Non. Et peut-on savoir comment elle s'appelle? Sophie Vernouillet. Voyez-vous ça. Et où habite-t-elle, cette mignonne? Je crois que c'est... Eh ben oui, c'est ça. Quoi, ça? Rue des Oiseaux. Numéro? 15. Allez, viens y voir avec nous. Sophie, comment dis-tu? Sophie Vernouillet. Sophie Vernouillet. Tu veux que j'en passe une autre? Non, non, c'est très bien. Je me rhabille. Je t'en prie. Il y a longtemps que tu connais le citoyen Lindet? Oh, depuis toujours. Mes parents ont une boutique de lingerie dans sa rue. Nous sommes en quelque sorte... Amis d'enfance? Oui, c'est ça, amis d'enfance. Ah, ben, c'est parfait. Ton témoignage innocente complètement Lindet et son camarade. J'en suis ravi pour ces deux excellents citoyens. On peut partir. Oui, vous êtes libre. Salut. Salut. J'ai vendu du bétail. Mais t'es pas bien ici? Des marquises, des barons? T'entendais des conversations délicieuses? Où c'est qu'un gratus sera reçu dans la meilleure société comme ici? Mais je m'en fous de la meilleure société. Mais t'apprends les belles manières! Je m'en fous des belles manières! Mais moi, je m'en fous pas. J'avais promis à ta mère de te dégrossir un peu. Oui, il est vrai que si après 2 ans de prison, t'as pas appris les belles manières, il n'y a pas de chance que tu les apprennes jamais. J'aurais à te parler. Ben, plus tard. Bon. Elle veut pas. Comment? Eh ben non, elle dit qu'elle n'a pas besoin d'avocat. C'est impossible. Reviens voir demain. Oh, ça ne fera jamais que la troisième fois. Et qu'est-ce que je peux te dire? J'ai mon fréco sur le feu, tu permets? Non, attends, je vais lui parler. Je sais pas comment tu seras reçu. Ah, tant pis, je prends le risque.
Madame, je vous prie de m'excuser. Je sais que vous refusez de me recevoir, mais je n'en ai que pour 2 minutes. Qu'y a-t-il? Renoncez à vous défendre. C'est très bien. Mais avez-vous pensé à moi? Oh, à vous. Oui, madame, à moi. J'ai été nommé d'office pour vous assister. C'est donc moi qui plaiderai le 14 octobre. Si je plaide mal, vous serez condamné. Et c'est moi, je vous la garde, qui serai directement responsable de votre mort. Qui vous le reprochera? L'histoire, madame. Pour commencer. Votre dossier est très bon. Mais pour le mettre en forme, il faut que je puisse travailler avec vous pendant quelques jours. Sinon, tout est perdu. Tout est déjà perdu. Oui, évidemment. Si vous y tenez absolument, tout est perdu. Vous voulez mourir? Ça vous regarde. Mais vous m'entraînez dans ces désastres. Et ça, il me semble que vous n'en avez pas le droit. Toute ma vie, je me reprocherai de ne pas vous avoir tiré de là. Il n'y a aucune preuve contre vous. Aucune. Aidez-moi, nous gagnerons. Non. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Et vous ne voyez donc pas que ce procès est perdu d'avance? Que me reproche-t-on? De détester une république qui m'arrache la couronne et la vie, qui me sépare de mes enfants, qui assassine mon époux. Mais pour l'aimer, il faudrait que je renie la nature et que je renverse en moi tous les sentiments humains. Oh non, monsieur. Entre la Révolution et moi, il peut y avoir procès. Mais lutte à mort. La plus forte gagne, c'est tout. Il ne reste plus à l'autre qu'à disparaître, avec dignité. Les temps ont changé, madame. Robespierre lui-même souhaite votre grâce. Oh, je vous en prie, ce n'est pas monsieur Robespierre qui commande, c'est le peuple. Le peuple me hait. Il vous haït, c'est vrai. Mais depuis, vous avez souffert. Qu'est-ce que ça change? Avec le peuple français, ça change beaucoup. Jamais je n'accepterai de faire pitié. N'insistez plus. Je vous en supplie, madame. Laissez-moi vous aider. Parlez-moi de la mort du roi. La mort du roi? Oui. Savez-vous comment il est mort? On n'a voulu me donner aucun détail. Racontez-moi. Il y a plusieurs gens. C'est ce qui vous trompe. Non, madame. Le temps dont nous disposons, je ne le consacrerai qu'à votre défense. Je vous en prie. Plus tard, volontiers. Je vous l'ordonne! Eh bien, je refuserai quand même. Je ne suis pas venu ici pour vous servir de gazette. Vous avez raison. Que suis-je après tout pour donner des ordres? Une reine déchue. Et sans doute aussi une vieille femme. Il est temps que je me réveille. La voiture s'est arrêtée au pied de l'échafaud. En montrant son confesseur, le roi a dit aux officiers : je vous recommande, monsieur, veillez à ce qu'après ma mort, il n'y soit fait aucune insulte. Après ? Il a fallu que l'abbé Jevorte l'exhorte pour qu'il accepte de se laisser lier les mains. L'abbé lui a rappelé l'exemple de Jésus. Le roi a dit : il ne faut pas moins que l'exemple d'un dieu pour que je consente à cette humiliation. Après. Je vous en prie. Les dernières paroles du roi ont été pour le peuple. Je prie Dieu pour que mon sang ne retombe pas sur la France. C'est alors que les tambours de Santerre ont couvert sa voix. Voilà. Est-ce que maintenant... Maintenant, laissez-moi. Vous vouliez me défendre. C'est fait. Je me sens maintenant hors d'atteinte. Mais je... Merci. Cette femme-là, c'est du bronze. Oui. En somme, ça aurait fait une bonne reine. Y a rien de fait. Comment y a rien de fait? J'ai changé d'avis. Bah, c'est très joli, t'as changé d'avis. Mais qu'est-ce que je vais dire au cousin? Ce que tu voudras. Bah, très bien. Tu ne veux pas de mon remplaçant? Très bien, trouve-en un autre. T'en vas? Oui, je m'en vais.
Cette nuit, tu prendras mon service. Et demain, t'enchaîneras avec les charrettes. À la bonne tienne. Si vous vous imaginez me forcer la main... Oh, non. Pas la première nuit que je ferai en plus. Bah, je m'en doute. Sans parler de toutes celles où j'ai remplacé ton cousin parce qu'il était sous. D'où sors-tu, toi? De Gournay. Tu veux devenir gardien de prison? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime les clés. C'est des belles petites ouvrages, hein? Et puis, c'est mystérieux, on sait pas trop sur quoi ça ouvre. Hein? Ils en cachent des choses. T'en as des creuses? Oui, j'ai une. T'aimes pas leur son? Leur son? Oui, leur son. Ah, je passerai des heures à souffler là-dedans. T'es pas un peu simple? Oh, bah quoi, qui ça dérange? Tiens, toi, t'es geôlier, hein? Bon, parfait. Eh ben, toi, t'es geôlier, t'as jamais envie de t'évader? Ah, tu parles. Eh ben, avec tout ça, t'as ce qu'il faut, là. Non, essaye. Non, je te jure, essaye. Tiens, un sifflet de quartier maître. Ah, dis donc, j'entends ça, je suis en mer, moi. Ça ouvre plus de choses qu'on croit, une clé, tu sais. Mais tu t'amuses? Quoi? Je m'amuse? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'amuse. Oh là là, quelle humeur! Oh, bah, c'est bon, je dis plus rien. Qui c'est, celui-là? Remplaçant de Gracchus. Comment tu... Oui, je... Allez, va prendre ton service. Et j'y cours. Il y a là un greffier qui veut te parler. Quel greffier? Citoyen! Salut. Salut. Salut, qu'a-t-il pour ton service? Je viens de la part du citoyen ministre pour relever des écrous. Quel genre d'écrous? Des écrous militaires. T'as un pouvoir? Oh, pardon. Très bien, ma femme va te conduire. Merci. Par ici. Une visite pour toi, l'oiseau. Qu'est-ce que c'est? Un confrère qui vient relever les écrous. Ministère de la guerre, section justice. Ah, tu tombes mal, citoyen, j'allais fermer. Excuse-moi, citoyen, mais c'est un travail que je ne peux faire qu'en dehors des heures de bureau. Dans ce cas, dépêche-toi, je commence à avoir faim. Tu as tes ordres? Et Richard a vérifié. N'empêche. Ton père te demande. Bon. Quelle est l'année qui t'intéresse? 80 pour commencer. Pour commencer? Eh oui, c'est une espèce de petit établissement que je viens faire chez toi. Comment ça? Je t'expliquerai ça en soupant. Tu m'as bien dit que tu avais faim. Oui, je ne m'en dédie pas. Alors suis-moi, je te présenterai à ma femme. C'est une maîtresse cuisinière. Et quant à moi, je crois que je ne départ pas à un souper bien arrosé. Je le crois volontiers, mais je ne sais si... Alors je t'en prie, pas de manière entre nous. Tu aimes les huîtres? Les huîtres? Et les poulardes de chez Gatineau. En peste! Alors dépêche-toi. Tout cela dans un quart d'heure sera dans ton assiette. J'arrive. Je pars. Son dîner est là. Qui c'est? Mon confrère, je t'expliquerai. À demain. À demain. Allons-y. Tu entends les précautions? C'est que l'autre chien n'est pas loin. Deux portes et tu tombes dessus. Qu'est-ce qu'elle a ce soir? Une omelette. La commission est faite, j'ai vu Brocard. Les chevaux? Prêt. La
La berline. Dressée, vérifiée, prête. Et les hommes? En alerte. Très bien. C'est pourquoi? Je prendrai ma décision au dernier moment. Cette fois-ci, je ne veux rien laisser au hasard. Allez, va-t'en. Dépêchez-vous, j'ai peur. Bonsoir, nous partons. À demain. À demain. Je suis le gendarme Gilbert. Pourquoi vous nommez-vous toujours en entrant? Parce qu'il y a aussi Dufresne, là, à côté. Vous craignez que je ne vous distingue pas l'un de l'autre? Ah, je sais pas. Une reine. C'est une femme comme une autre. Oui, on le dit. Oui, citoyenne. Un fils. Moi aussi. Comment s'appelle-t-il? Ah ben, ça dépend. Comment? Oui, moi j'aime pas tous ces noms romains comme on en donne aujourd'hui. À mon avis, ça n'a pas plus de sens que les noms d'autrefois. Non, moi je suis pour appeler les enfants utiles. Comment ça, utile? J'ai donné à mon fils le nom d'une bonne céréale. Je l'ai appelé Avoine. Avoine? Oui, Avoine. Alors, je sais, tu vas me dire que c'est une céréale secondaire. D'accord, mais je l'ai fait exprès. Oui, mon fils, ça sera un paysan, alors il n'y a pas de raison de lui donner des idées de grandeur. Seulement, le résultat, c'est que tout le monde lui dit Antoine. Et j'en suis pour mes frais d'imagination. Moi, j'appelais le mien Chou d'amour. C'est pas beaucoup plus orthodoxe? Oui. Oui, c'est pas beaucoup plus... Bon. Alors voilà ton repas. La citoyenne Richard l'a soigné. Hein. Prenez-le. Vous le partagerez avec votre camarade. On préférerait que ce soit toi qui le mange. T'as besoin de prendre des forces. Excuse-moi, citoyenne, pourquoi tu m'as dit merci? C'est parce que vous êtes le gendarme Gilbert. Vous voyez que je me souviens du nom. Et que vous êtes un brave homme. Moi, je suis un brave. Oh, c'est ma foi. Tout le monde est brave homme. Oh, non. Je sais toutes les attentions que vous avez eues pour moi avec votre camarade. Oh, d'ailleurs, sans vous, cette vie-là n'aurait même pas été possible.
Et je suis bien triste de ne savoir comment vous en témoigner, Marcon. Laissez-moi. Qu'est-ce que tu as? Rien, un malaise. Je vous en prie, laissez-moi. Bon. Ben, si tu as besoin de quelque chose... J'appellerai. Merci. Bonsoir. Bonsoir.